objectif final dans cette région est de construire une nouvelle station pour remplacer celle qui a été engloutie dans la poix. La première étape consiste à relier au réseau chiral un abri où se trouvent nos scientifiques. On n'a absolument aucune idée de l'état dans lequel se trouve Amélie, ni de ce que prépare X. Et vous pouvez me croire, ça nous inquiète tout autant que vous. Mais on n'en saura pas plus avant d'avoir atteint la ville relais frontière. Et pour ça, on doit commencer par connecter cette région. Vous devriez commencer par le géologue et le paléontologue. Ce dernier détient quelque chose à remettre à la biologiste Evo Devo. Je vous conseille donc d'aller la voir en dernier. Comme ça, vous pourrez terminer une livraison et rallier le dernier site en un seul voyage. Quand ils seront tous les trois connectés, revenez ici. On pourra se mettre à travailler sur le remplacement de la station perdue. L'un de nos géologues étudie en ce moment les fossiles dans le cadre de ses recherches sur les causes des grandes extinctions préhistoriques. Ça fait maintenant un bout de temps qu'il a débuté ses fouilles. Mais il commence à subir les effets de la contamination chirale. Elle est sans doute due à une exposition excessive au chiralium pendant les fouilles. Tant que le chantier ne sera pas décontaminé, il ne pourra pas poursuivre son travail. Ni recouvrer la santé, malheureusement. Il faut donc lui apporter des produits permettant d'éliminer le chiralium. La strate que le géologue analysait date de la fin de la période du Crétacé. C'est l'époque de la tristement célèbre extinction de masse, qui mit fin au règne des dinosaures. Après quoi, les petits mammifères héritèrent de la Terre. C'est la plus récente des cinq grandes extinctions, et l'une des plus importantes que le monde ait jamais connue. En tout cas, il dit avoir découvert quelque chose de remarquable. Essayez de deviner. Une grève fossile. S'il s'agit bien de ce qu'il croit, alors en effet, c'est une découverte extraordinaire. Et donc Sam, il faut absolument que vous lui apportiez ces produits anti-chiralium aussi vite que possible. Encore une chose, Sam. Pour cette course, vous allez devoir transporter une bombe antimatière. Un paléontologue qui travaille pour Bridges dit en avoir besoin. Apparemment, les fossiles qu'il veut étudier sont enfouis loin sous la poix, et le seul moyen de les atteindre est de l'ouvrir en la faisant exploser. J'imagine qu'il n'est pas nécessaire de vous rappeler que vous devez être extrêmement prudent quand vous manipulez des explosifs aussi puissants. Assurez-vous que cette caisse arrive intacte à destination, quoi qu'il arrive. Une plaque thermique. L'indispensable des opérations par temps froid. Particulièrement utile pour traverser les montagnes enneigées. Sam, vous n'avez sûrement pas oublié, mais vous devez faire preuve de la plus grande prudence avec cette bombe antimatière. Surtout si vous utilisez un transporteur ou un véhicule. La moindre anomalie devrait déclencher une alarme. Réagissez en conséquence.
Sam, alors, Antman vous a tout dit pour le lac. Comment l'attaque qu'il a créée a bouleversé sa vie à jamais? Non seulement il a perdu sa famille dans cette tragédie, mais en plus, il a bien failli y laisser la vie. Il est resté en état d'arrêt cardio-respiratoire pendant 21 minutes. Si les circonstances avaient été normales, il serait mort. C'est grâce à l'hypothermie thérapeutique qu'il est toujours là. Mais les 21 minutes qu'il a passées de l'autre côté lui ont laissé des séquelles indélébiles. Les facultés du Doom ont été décuplées chez lui, peut-être en conséquence du choc. Depuis ce temps-là, il explore la grève dès qu'il en a l'occasion à la recherche de sa famille. Je vous dois des excuses, Sam. Vous avez fait tout ce chemin pour me voir, et je ne vous ai même pas dit au revoir comme il faut. Soyez très prudent. Comme je vous l'ai dit, l'histoire de cette région a été marquée par la mort et l'extinction. Il n'y a rien d'étonnant à ce que l'on y observe plus d'échoués qu'ailleurs. Vous vous souvenez peut-être des modèles dans mon labo? Ils ont tous été conçus d'après des témoignages oculaires. Mais j'imagine qu'ils ont dû vous paraître étranges, étant donné que vous avez souvent rencontré de vrais...
ça. Collecte de sang terminée. Merci pour votre générosité. À personne. J'ai trouvé quelque chose de très spécial. Un bâtard, mon rachet grand cru. Tu pourras goûter dans quelques années. On trinque. À Lisa. Et à toi. Attendez.
Hmm.
Alien Express confirmé. Arme détectée. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchandises confirmées. Merci. Semblable à celle des porteurs du Dooms. La fin des temps, ce genre de choses. Je me suis dit que les cauchemars venaient de la fatigue. La possibilité d'une contamination chirale ne m'a jamais effleuré l'esprit. Une chance qu'on s'y soit pris avant la phase suicidaire. Mourir n'est pas envisageable. Mes recherches sont loin d'être terminées. Vous ne faites pas que me sauver la vie. Vous sauvez l'œuvre de ma vie. Je me demandais si je verrais ces médicaments un jour. Vous êtes vraiment doué dans votre domaine, hein? Merci. Si vous voulez bien vous donner la peine. Ah, ça y est. Me voilà membre des UCA, avec un accès libre à une mine de documents pour la recherche historique. Étudier cette grève fossile devrait être nettement plus facile désormais. Enfin, si j'arrive à prouver une fois pour toutes que c'est bien ce dont il s'agit, je dois avouer que l'idée de partager nos propres découvertes m'enthousiasme tout autant. Vous vous rendez compte qu'on a trouvé des dépôts Kiro dans des strates remontant à 65,5 millions d'années? L'épreuve d'un Death Stranding dans des temps reculés. La matière chirale existe sur Terre depuis bien plus longtemps que l'humanité. Cette strate en apporte la preuve. Regardez, Sam. Vous voyez cette fissure noire, là? Nous pensons que c'est la source des relevés de chiralium. Dans un passé lointain, des séismes ont provoqué une fusion frictionnelle le long des lignes de faille, produisant des couches de ce que l'on appelle des pseudo-tachylites. On qualifie ces couches de séismes fossiles. Sur le même principe, on pourrait qualifier notre fissure de grève fossile. La présence de chiralium dans cette strate en particulier ne peut pas être une simple coïncidence. Elle semble fortement indiquer que des grèves ont dû apparaître au cours de l'extinction crétacée-paléogène. Et pas seulement à cette époque. Le réseau chiral a récupéré des données laissant penser que d'autres grèves fossiles ont été découvertes dans des strates correspondant à d'autres extinctions. Cela voudrait donc dire que les 5 grandes extinctions de masse, et les autres aussi, ont été accompagnés de l'apparition de grèves. En étendant le réseau chiral, vous nous aidez à entrevoir un modèle dans ces données éparses. Vous nous permettez d'approfondir nos recherches individuelles et d'entrevoir que d'ici quelque temps, nous pourrons retrouver tout ce que nous avons perdu et résoudre tous les mystères encore en suspens. Mais ce n'est que le début. Si vous allez jusqu'au bout, Sam, allez savoir ce que nous pourrions découvrir. Au travail.
nouvelles commandes disponibles. Veuillez accéder au terminal de livraison pour plus d'informations. Déploiement du bot de livraison autonome.
De l'identifiant Bridges. Identifiant Fragile Express confirmé. Arme détectée. Toutes les armes seront désactivées jusqu'au départ. Marchandises confirmées. Merci. Livraison. Merci beaucoup, l'ami. Grâce à vous, les fouilles vont enfin pouvoir avancer. Cet endroit est assez pénible comme ça quand on n'a pas à s'inquiéter de mourir asphyxié. C'est moi qui vous le dis. Enfin, vous le savez déjà. Après tout, vous l'avez fait. Même si je me demande bien comment. Enfin, il se trouve que j'ai un service à vous demander, Sam Bridges. Un porteur des environs venait m'apporter quelque chose de très précieux, mais il l'a perdu en chemin. C'est une ammonite vieille de 200 millions d'années, qui, d'après lui, a presque l'air encore vivante. Apparemment, il est tombé dessus dans un pierrier qui était jusqu'ici caché sous un glacier, mais ce n'est pas le plus intéressant. Il affirme que cette ammonite a un cordon ombilical. Un cordon ombilical. Je suis un peu sceptique, mais ce spécimen mérite un examen approfondi. On ne peut pas laisser un travail aussi délicat à un amateur. Alors je lui ai demandé d'extraire tout le bloc de pierre et de me l'apporter ici. Je voulais le comparer à des spécimens contemporains trouvés dans les environs. C'est pourquoi je lui ai dit d'en récupérer plusieurs, en plus de celui dont il m'avait parlé. Mais qu'est-ce qu'il a fait, cet abruti ? Il a perdu toute la cargaison.
Il n'a même pas eu le bon sens de marquer quelle caisse contenait l'ammonite au cordon ombilical. La marchandise est censée avoir été perdue dans une zone située au sud-ouest, où les gaz toxiques ont tendance à s'accumuler. Et cet homme d'une grande fiabilité dit que son scanner de marchandises est cassé et qu'il lui est impossible de retrouver la cargaison. Mais vous, vous pourriez retrouver sa trace. Pour vous protéger des émanations, je vais vous fournir un masque à oxygène. Juste au cas où. Vous pourrez le récupérer en acceptant la commande. Ce fossile pourrait représenter une découverte primordiale. Bien sûr, il existe des poissons vivipares, mais une ammonite avec un cordon ombilical, c'est du jamais vu. Et si elle a effectivement 200 millions d'années, elle correspondrait à l'extinction de masse de la fin du Trias, une autre des cinq grandes extinctions. Le cordon ombilical pourrait-il être connecté à la grève ? Il faut récupérer cette marchandise à tout prix. Elle pourrait être un indice essentiel pour comprendre les mécanismes du Death Stranding. Nous y sommes presque. Nous sommes sur le point de toucher du doigt la nature véritable de ce phénomène. Faites vite, Sam. Nous ne pouvons pas risquer de perdre cette ammonite. Au travail. Nouvelle commande disponible. Veuillez accéder. Un masque à oxygène ? Très bonne idée. Il vous permettra de filtrer l'air et de respirer normalement. Non seulement vous serez protégé des gaz toxiques, mais en plus la fatigue qui découle de vos efforts constants n'en sera que diminuée, ce qui vous aidera à garder l'équilibre. Si sa batterie était illimitée, je vous dirais bien de le garder tout le temps, mais ce n'est pas le cas. Alors, ne le faites pas ?
Sometimes